Bonjour, je m'appelle Irène, j'ai 29 ans et je suis commerciale chez Maison Pierre depuis un petit peu plus d'un an. En tant que commerciale, il faut savoir qu'il y a une partie de prospection, donc il faudra rechercher des terrains, rechercher des clients également, par le biais de relances téléphoniques par exemple ou de systèmes de boîtage. Ensuite, il faudra prendre un rendez-vous avec le client à l'agence, le faire visiter la maison témoin et commencer un rendez-vous. Lors du rendez-vous, ce qu'il faudra faire avec le client, c'est réaliser une découverte de besoins pour pouvoir cibler ses attentes, lui expliquer comment se passe un projet de construction chez Maison Pierre et lui présenter différents modèles de maison. Ensuite, nous allons lui proposer en fait différentes options de terrain lors de la visite. Ce moment est un moment vraiment convivial parce que le client est motivé, souriant et confiant. À l'issue de cette visite-là, s'il y a un projet qui lui plaît, nous effectuons un chiffrage à l'agence et nous passons directement à la signature du contrat de construction de maison individuelle. Les compétences nécessaires sont la disponibilité, la réactivité, le dynamisme, le sourire et surtout l'écoute vis-à-vis du client. Ce qui me plaît dans mon métier, ça va être la liberté de pouvoir gérer son emploi du temps, puisqu'aujourd'hui, il faut une disponibilité. Les clients, il faudra les recevoir après leur sortie de travail, c'est-à-dire après 19h pour la plupart. Un rendez-vous dure plus ou moins 2 voire 3 heures. Donc, nous sommes amenés à terminer à 22h, voire 23h. Mais cela dit, le matin, si nous n'avons pas de permanence et pas de travail à effectuer, nous avons la possibilité de travailler à domicile ou de se reposer. La deuxième chose, ça va être le fait d'avoir plusieurs casquettes, puisque dans ce métier, nous allons traiter l'urbanisme, nous allons travailler sur le financement et également faire de la prospection. Alors, quand j'ai commencé chez Maison Pierre, je ne connaissais rien à la maison individuelle. J'ai eu la chance d'avoir passé un entretien. Suite à l'entretien, j'ai pu participer à une formation, donc qui a duré un mois sur l'urbanisme, le financement, la vente de maisons individuelles. Suite à la formation, je me suis découvert une passion pour ce métier et puis également la possibilité de monter en compétences, puisque mois après mois, il y a une performance qui est au rendez-vous et également une rémunération, puisque plus vous faites de ventes, plus vous aurez la possibilité d'avoir une meilleure rémunération.